Expiation de la chair. Nos bouches sont amères. Nos mains promptes à verser le sang. Notre destin n'est que ruine et misère. Le sacrifice. Les hommes de main de Jibara sont venus chercher Mère Garaï. Mais pourquoi l'ont-ils enlevé? Et pourquoi parle-t-on de sacrifice? Que leur as-tu promis dans la salle du jugement? Oh non! Je t'en supplie, sauve Mère Garaï. Bon, très bien. Let's go. On va peut-être faire le plein d'objets avant. Quelle journée épuisante, juste ciel. Que fais-tu donc dehors à cette heure-ci? C'est vrai ça, hein? En fait, niveau soins, je suis bien là. J'en ai pas trop cramé. Par contre, on a dit que on pouvait vendre certaines choses. Ce genre de choses. Tiens. J'ai dit une bêtise alors. C'est une soie différente de la dernière fois. La dernière fois, c'était... je sais plus trop le nom. Éclair, peut-être. Et ça se vendait 150. Donc, il y a plusieurs types de soie. À mon avis, c'est en fonction de l'évolution. Ça, on vend. C'est niveau 1. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, niveau 1. Et une autre soie, d'accord. De cinquième qualité. Ah. En tout cas, ça me fait pas mal de thunes, ça. Même ça, en fait, je me demande si je vais les garder. Je préfère me faire des thunes. Comme ça, je pourrais peut-être acheter le stuff sans avoir à tisser, justement. Il y en a peut-être du nouveau, là. On va aller voir. Tu n'étais pas au courant des événements de ce soir? Comment les villageois, si calmes d'habitude, ont-ils pu organiser une insurrection en pleine nuit? Les sales traîtres. Qu'est-ce que tu viens faire ici à une heure pareille? T'es sûrement pas venu faire des emplettes, je me trompe? Bah ouais, tu te trompes complet mon pote, c'est exactement pour ça que je suis là. Ah oui, j'ai pas acheté ça encore. Eh ben on va le prendre ça. Là, en revanche, ça veut dire que je prenais ça pour la vitesse. Et ça me va assez bien, en fait. Ça ressemble beaucoup à Azure Dream, dans la structure du gameplay, ville, donjon et sim life. Ah, je m'en souviens pas d'Azure Dream, je sais même pas si je l'ai fait, celui-là. Bon, ça, je le garde, c'est les objets en 4 codures. Ouais, ça coûte que dalle, ça. Que fais-tu dehors à cette heure-ci? Mais t'es complètement fou.
Papa, une chose terrible est arrivée. C'est Mère Caraille, elle... Oh, que fais-tu ici? Caraille fait partie du sacré... Le rituel du sacrifice, c'est cela? Oui, ils sont tous dans la salle du jugement. Ne perds pas de temps. Vas-y, vite! Ne t'inquiète pas pour Mabou, je m'occupe d'elle. Dépêche-toi ou tu arriveras trop tard! Ah non! Alors, c'est censé être où par contre? Bah ici, semblerait-il. Ils font tous du dodo là. C'est pas là apparemment. Mais j'étais pas venu ici. Halte là, la cérémonie n'est pas terminée. La vénérable Jibara m'a donné l'ordre de ne pas vous laisser passer, de vous laisser entrer, et ce dans l'intérêt du village. Maintenant partez. Le tisseur d'âmes. Ne me prenez pas pour une idiote. Vous aviez sûrement une idée en tête lorsque vous êtes arrivé ici avec cette fille. J'ai tout de même une dernière question à vous poser. Pourquoi êtes-vous venu à Cyrus? Je savais que ce jour arriverait tôt ou tard. Je suis venu purifier les âmes des Nagi et celles de toutes les créatures du savoir. Vous persistez dans vos mensonges? Je vais vous dire la vérité. Vous êtes venu vous emparer des âmes du peuple de Cyrus. C'est exact. Je l'ai toujours su, Mère Caraille, ou plutôt Azura, déesse de la mort. Oui, vous avez raison. C'est bien mon nom. Je suis l'incarnation d'Azura, l'esprit divin. Celle qui crée de nouvelles âmes à partir d'anciennes. Le moment est enfin venu de rompre avec la tradition. Ainsi, la sagesse des anciens sera insignifiante. Jibara, spectre du savoir insensé, le fantôme de Jaina. Certains cherchent un signe, d'autres recherchent le savoir. Tel est le pouvoir d'Elrim. Mais la bêtise d'Elrim est plus sage que celle des humains. Et la faiblesse d'Elrim est plus forte que celle des humains. Obscurité et lumière, les deux âmes. Ceux qui ont été choisis parmi l'obscurité et la lumière doivent mener cet état au repos éternel. En leur nom, extrait nos âmes et guide-nous vers la terre promise. L'heure du grand rassemblement est arrivée. Nos âmes ne font plus qu'un avec les élus.
Je peux pas passer. Effectivement, ça l'a laissé de marbre et c'est pas le seul. Salut Xentor, c'est PSX ce jeu. Elle est très jolie la musique. C'est donc l'heure du grand rassemblement qu'annonçait Mère Garay. Je crois que son esprit vient de se poser sur moi. Des images étranges ont défilé devant mes yeux avant même que je ne m'en rende compte. J'ai vu Mère Garay guider les âmes des villageois jusqu'à Elrim. J'ai vu la disparition de ton père, la colère des Oni-Boubou. Le sacrifice. Les signes annonciateurs du grand rassemblement. Ni, le chef des Nagi, connaît toute la vérité. C'est ce que Mère Garay a dit avant de partir. La tradition, la fatalité, les fléaux, les démons, tant de chaînes nous entravent. Mais ce sont aussi les liens qui ont uni nos deux cœurs. Ces chaînes nous définissent, nous caractérisent. Oh, je me sens si faible. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester ainsi encore longtemps. Tu as raison. Bientôt, ton âme sera sublimée par l'éclat de la forêt éternelle. Ton corps se fondra dans son immensité. Le cocon te gardera en vie jusqu'à ce que la métamorphose s'achève. Nous n'avons plus beaucoup de temps, Mabou. Tu dois rester à l'intérieur du cocon. Je m'occupe du reste. Bien, tu ignores sans doute ce qu'il vient de se passer. Nos âmes errent désormais au travers de l'espace et du temps à la recherche de nouveaux corps. Et lorsque nos âmes à nouveau se feront chair, une nouvelle épreuve nous attendra. L'éclat de la bague que t'a donné Mabou prouve que tu es l'élu de la lumière. L'élu de l'obscurité t'attend dans l'autre monde. Ton voyage va mettre ta dévotion à l'épreuve. Laisse ton cœur te guider. La dernière épreuve sera le jugement que nos âmes languissent. Et cherche le chef des Nagi dans le temple de Kemuel. Enfile le manteau de Rickets avant de partir.
C'est mon ultime présent. Je te souhaite bonne chance, l'élu. Salut Audi. En fait, cette séquence, elle est magnifique en tout point. Déjà la musique, la séquence telle quelle, mais aussi par rapport à l'éphémère. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est un insecte qui passe énormément de temps en tant que larve, il me semble que c'est plusieurs années, un truc genre 2-3 ans, et qui, une fois sorti de son état de larve, va juste, je crois, pondre ses œufs, un truc comme ça, pour au final mourir dans les 24 heures, quoi. D'où son nom, l'éphémère. Si, elle m'a filé un truc, logiquement. Ah oui, j'ai bien fait de pas acheter l'autre armure. Hein. Impec. Maman. T'avais appris ce mot sur ce jeu, Kendoza? Oui, bah... C'est sûr qu'on n'en croise pas tout le temps, hein. C'est compliqué. Bon, je présume que lui aussi s'est fait transformer. Ouais. On va quand même aller le voir. Ah mais du coup, ça veut dire que je peux plus acheter d'objets, plus rien, là. Bon, après... Niveau soins, ça va en fait. On peut se débrouiller largement sans. Hein. Faut juste que je fasse gaffe. Ah, mais attends, l'armure, elle skin là, non? C'était de cette couleur ou c'est parce qu'il fait nuit et que ça me perturbe? Non, ça skin. Allez, direction la forêt de l'éphémère. Pareil pour les fusions, je sais pas qui va les faire maintenant. Bon, ça va sûrement changer d'ici peu de temps, mais on verra. Un escargot sur pattes. Alors c'est bien, il est tout seul lui. Feu. Les premiers, je vais peut-être les dégommer histoire que mes créatures prennent de l'XP. Et ce sera plus simple après à capturer peut-être. On verra. C'est censé faire plus mal ça. Testons. Ouais d'accord. Faut le toucher déjà. Une noix sauvage. J'aurais peut-être dû la garder, ça sert de soin en même temps. C'est pas grave.
Que de souvenirs. Bah moi pas tellement, mais du coup ça me fait extrêmement plaisir de refaire ce jeu. Ouais. Oh, quasiment 300 points de vie maintenant lui. Cool. Allez. Oh, il a changé lui. Attends, il s'est passé quoi là? Pour le coup, je me souviens même plus à quoi il ressemblait. Ah ouais, c'est les fusions. Mais je me demande bien à quoi j'ai pu fusionner pour qu'il ressemble à ça. Hein. Ah, salut. En tout cas, ils sont bien balèzes ici. J'ai intérêt à faire gaffe. Même si je les défonce pour le moment, c'est parce que je suis full mana. Ça va pas durer. Tu ne verras de mob comme lui nulle part. Hein. Comme celui que j'ai ou ceux d'en face? Je vais peut-être essayer de le capturer celui-là quand même. Ouais, le mien est unique, d'accord. Je vais quand même essayer. Putain, il me retire quand même 40 points de vie. Hein. Bon, pour le moment, il soigne, mais il y a un moment, il pourra plus. Combien je lui ai retiré tout à l'heure? Je pense que là, je risque de le tuer. Si je fais un coup de terre. Je crois qu'il ressemble à celui d'en face vu sa façon de taper. Je sais plus trop. Pour être tout à fait honnête. Zut, il va me tarter. Non, il se soigne. Mais il est chiant, combien il a de PM lui? Du coup, je suis obligé de refaire ça. Parce que si je laisse le ventre, il va prendre cher. Bon, de toute façon, il a pas mana infini, donc au bout d'un moment, il va bien s'arrêter. Logiquement. Allez, on tente. Ouais, si je le laisse, effectivement, il va finir sur la lune. Ça passe, on dirait. J'ai pas vu le rang. C'était un truc genre parfait ou je sais pas quoi. Je crois que c'était un bouton.
On va peut-être tenter d'en capturer un. Pendant que je suis là. Et les suivants, on les dégomme. Même ma fourmi, elle a un petit peu changé, non? Elle est un peu plus dégueu que l'autre fois. Je risque de le tuer là par contre. Pas vraiment tente. Ouais, c'était sûr. Ça se joue à quelques points de vie. Hein. Ça ressemble à un boyau. À peu près, ouais. Alors. Le skib, il est quasiment 13. Je pense que c'est 13 la prochaine évolution. Hein. On va voir. On dirait une silhouette de chat aux grandes oreilles sur cette espèce de fontaine. Ouais, je fais quasiment 45 par coup là. Quand je touche. Bon. Il me le faut celui-là là. Là, je vais pas avoir le choix. Oh, ça a fait un truc ça. Il y a un effet sur l'arme ou quoi? Oui, c'est ici pour devenir le maître des cocons. Comment ça va, Az? Ça va super, merci. C'est plein de nouvelles bêtes. Alors c'est bien parce que c'est quand même varié pour le moment. Il a beaucoup de points de vie celui-là par contre. Hein. Allez, si on en capture un. Et next! Il est beau ton harpaton. J'aimerais bien qu'il évolue. Il est pas assez gros encore.
J'en veux un comme l'autre là qui m'a éclaté dans le rêve. Allez, ça c'est fait. Ça coûte cher de rater, hein. Deux fois encore plus. Alors, est-ce que c'est un cul-de-sac? Non. Pas apparemment. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Très rapidement. C'est un enfer! J'ai bien fait de revenir par là, mais je crois que j'ai pas de quoi l'ouvrir. Malheureusement. Faudrait que j'utilise qu'un seul skill en fait. Sauf si je switch de type de monstre. Mais ça dépend de l'ennemi évidemment. Ouais, c'est verrouillé évidemment. Bon bah je tâche de me souvenir de ce coffre. Ça devrait aller. Ah bah attends. Ah bah voilà. Je l'avais pas vu tout à l'heure.
des huiles. Ok. Bon. Ah, encore lui. Ah, il va être costaud là. Hein. Il va être costaud, ouais, je pense. Parce que déjà, la dernière fois, il m'a déglingué un bonhomme. Et ça se fait pas. Voilà un nouveau pigeon qui arrive au bon moment. Hé, hey, petit, donne-moi tes cocons blancs. Pas de gestes brusques, sinon... Oh, on veut jouer au dur. Ne viens pas te plaindre, tu l'auras vu. Saleté de braconnier. Ben. Est-ce que j'invoque tout de suite maintenant? Ah, maintenant il a une attaque d'air. J'avais pas fait attention. C'est très bien. Ouais. Il a l'air de bien résister quand même cette fois. Gigoat. Ça tombe bien ça. Pas mal. Gigote d'agneau, ouais. Allez. Bon, il a peut-être une autre créature, hein. Je sais pas. Allons. Dans le doute, on va changer. Évidemment, le poison qui ne marche jamais, hein, sauf quand c'est nous qui nous le prenons. T'es cuit, mon gars. On va voir s'il a changé de skin, le Scabe. Je n'arrive pas à croire que je me sois fait avoir par un gosse. Je dois être fatigué. Ou peut-être est-ce large, tout simplement.
On se reverra, petit. Non, t'es nul, c'est tout. Ah, la clé chrysalide. Mais c'est un cul-de-sac. Ah. Donc j'ai bien fait de commencer par ce côté, je pense. Ça, c'est les meilleurs. Tu les butes en un coup. C'est parfait. Allez. Encore un niveau pour lui aussi. Et il progresse. Attends, il y a de la lumière, là. Ouais, il y a un passage. Et au fond... Je pense que c'est un cul-de-sac, mais je suis pas sûr. Perdu. Il y a une arme. Je peine à croire qu'elle sera meilleure que celle que je viens d'acheter, mais bon. Sirène. Mon attaque, elle est meilleure, mais je perds énormément vitesse, ce qui est beaucoup trop important. C'est non. Je pensais que c'était une porte, ça. Allez, si on tente par là. Quel curieux endroit. Pas les refs. Tu connais pas le dessin animé Nadia et le secret de l'eau bleue, un truc dans le genre d'ailleurs, ouais. Tu sais, c'était ça le titre. Ça date du même temps que les mystérieuses cités d'or de souvenirs, plus ou moins en tout cas. Pierre bleue, t'es sûr de toi? Ah d'accord, il y a un espèce de mur là. J'arrivais pas à capter le décor. L'autre avec sa dent au milieu dans ce jeu, on va l'attraper aussi. Lui me fait penser au personnage dans Olivier Tom. Les deux espèces de jumeaux là, qui sautent sur la barre transversale pour faire des acrobaties de malade. Pierre bleue, son pendentif, je crois. Ouais, mais je crois que le titre, c'est pas ça. Je sais plus trop. Il y a plutôt R ici. Oh, ça commence à me gonfler ces miss là. Non, Marvel a bien raison, c'est « Et le secret de l'eau bleue ». Évidemment, je me fais empoisonner. Putain, ça retire 30 ?
Je crois que mon dessin animé de cette époque préféré, c'était Jess et les conquérants de la lumière. L'opening était trop bien. En plus, il y avait les petits jouets dans les boîtes Nesquik à l'époque. T'avais des monstres plantes. Mais le principe, en plus, c'est génial, quoi. Ulysse aussi, c'était très bien, mais ça me stressait, en fait, quand je voyais les bonhommes figés en l'air, là. J'aimais pas trop. Ah voilà, niveau 13. On va voir son évolution, logiquement. Une noix sauvage. Je suis venu juste pour ça ici, semblerait-il. Ok. J'ai bien fait de commencer par là. Je vais la garder cette fois-ci, puisqu'il est full. C'est ça, c'était oppressant, Ulysse. Merci, Egar, c'est exactement le terme. Rémi sans famille, ça te mettait le seum. Non, il y a pire que Rémi sans famille, il y a Princesse Sarah. Putain, ce truc-là, ça te balançait en dépression, quoi. La gamine, elle était toute gentille, elle subissait les pires trucs. La voix off de ce jeu m'a fait penser à Ulysse. Oui, tout à fait. Même la manière dont c'est raconté, et je me demande si c'est pas la même ou dit. C'est l'acteur de doublage de Kevin Costner, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Bonsoir Mérode, comment ça va? Rémi m'a déjà bien traumatisé, alors Princesse Sarah, non merci. J'en ai bouffé du Princesse Sarah. Hein. Ah non, c'est un R. Je me suis gouré. Il faut envoyer du feu. Jeanne et Serge, c'était hard aussi. Ça va quand même. Le mec dans Koudalka, c'est le doubleur de Kevin Costner. Il m'appelle Rémi et Yes We Sans Radi. Ils en ont fait un film d'ailleurs de ce truc. Tout récemment, enfin tout récemment. Il y a moins de 10 ans je crois, je sais pas quoi. Il me semble. Ou alors c'est un autre truc genre... Non c'est peut-être Belle et Sébastien ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Alors, voyons voir cette évolution. J'ai pas l'impression de voir de différence, mais je crois que si, hein. Il a un petit peu grossi. Tiens, on va voir combien il récupère. Tout comme le générique de « Il était une fois l'homme », la fin me traumatise à chaque fois. Putain, mais il récupère 15 points maintenant. Ah, il était une fois, c'était des bons dessins animés aussi, t'apprenais un tas de choses là-dessus. Bon, le meilleur, c'est la vie, quoi. Alors, deux passages. Clé. Plus important ça. Ah oui, quand tu voyais la terre exploser.
Ils en ont fait un paquet d'ailleurs. Il y a eu l'était une fois les explorateurs, pardon. Il y a eu quoi d'autre? Il était une fois la vie, il était une fois l'homme. Il y en avait un autre, je me souviens plus. Il était une fois l'espace. Les découvreurs? Non, les explorateurs. Il n'y a pas eu aussi, il était une fois les Amériques, un truc dans le genre. Ah oui, tu parles de Jeanne et Serge, les meufs qui se font exploser la gueule par leur entraîneur juste parce qu'elles ont laissé passer une balle, mais gagné quand même. Ouais, j'avoue que des fois, elles se prenaient des balles dans la tronche et tout. Genre enchaîne. Ça, c'est du cocon. Le ventre. Est-ce que tu m'entends? C'est étrange, je ne suis jamais venue ici. Mais cette odeur de terre m'est familière. Ce doit être les réminiscences d'une vie antérieure, peut-être. Viens, essayons d'ouvrir cette porte. Élève mon cocon bien haut devant la porte. Ça devrait marcher. Du moins, je l'espère. La petite mise en scène sympa. L'heure du grand rassemblement. Les jeunes feront des cauchemars, les anciens feront des rêves. Ils n'auront pas expié leur faute que le soleil s'assombrira et la lune deviendra rouge sang. La terre promise.